Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bonjour Marine. Alors aujourd'hui, enfin ce week-end, nous serons le 21 juin. Mais qu'est-ce qui se passe le 21 juin ? Alors le 21 juin, c'est bien sûr la fête de la musique. Et justement, Mac Plus va vous en parler largement. Oui, alors vous allez d'abord, on va rencontrer, avant de parler de la fête de musique, quand même le Festival Juventus. C'est un grand moment à Cambrai, donc je pense que vous allez voir M. Thomé. Pendant ce temps-là, moi je vais aller voir Thibaut Vaxin pour parler de son concert qui aura lieu ce soir, avec le chœur du conservatoire. Et puis je pense aussi que vous allez rencontrer qui aussi ? Quelqu'un qui fait de la guitare là ? Tout à fait, on vous laisse le suspense et puis on se retrouve tout à l'heure. En attendant, je m'en vais au théâtre. À tout de suite Jean-François. On poursuit en musique, et non pas spécialement pour la fête de la musique, mais ce sera un peu plus tard, le festival Juventus qui aura lieu du 2 au 14 juillet cette année. Maurice Thomé, vous êtes l'organisateur de ce festival, bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que Juventus ? Oui, alors Juventus c'est un concept très particulier puisqu'il accueille des jeunes musiciens de l'Europe entière et qui viennent ici travailler avec leurs anciens, je dirais, et pour former des ensembles, ce qui nous donne tous les soirs à Cambrai des concerts. Alors justement, une édition un peu particulière cette année, puisque c'est les 25 ans. Oui, alors il y a 25 ans que Georges Garra, qui est, je dirais, l'auteur de ce concept, a monté Juventus. Et cette année, on fête les 25 ans, donc nous avons décidé d'essayer de proposer au public un programme alléchant. Et aussi plus riche que les années précédentes, puisque déjà, il s'étale sur plus de jours. Combien de concerts au total ? Alors, on va donner 16 concerts cette année, donc sur 13 jours. Alors, il y a des journées, effectivement, où il y aura au moins 2 concerts. Alors, comme d'habitude, on va avoir les concerts essentiellement au Théâtre de Cambrai, mais on aura également les concerts dans les musées, ça c'est traditionnel, musée de Cambrai, musée du Cateau. Mais nous irons encore une nouvelle fois à l'abbaye de Vaucelles, où nous serons accueillis le 7 juillet. Et nous aurons un concert également à la cathédrale le dimanche 5, là en commémorant les 300 ans du décès de Fénelon. Et y aura-t-il un lauréat cette année ? Alors il n'y aura qu'un seul lauréat, voilà. Et il est un peu exceptionnel dans la mesure où c'est un Cambraisien qui est Félix Dervaux. Je peux vous donner son nom, maintenant il est connu. Donc c'est un corniste qui a fait ses études musicales au Conservatoire de Cambrai, qui ensuite est allé au Conservatoire supérieur de Lyon, et qui actuellement est solo corps à l'Orchestre Royal d'Amsterdam. Et je vais ajouter que grâce à Juventus, il a une belle carrière dans la mesure où il est venu assister à des concerts alors qu'il avait 10-12 ans, et ça l'a conforté dans son envie de devenir un musicien, et aujourd'hui on peut dire un grand musicien. Et c'est ça d'ailleurs qui fait aussi la renommée de ce festival, c'est vraiment découvrir de nouveaux talents. Alors c'est de découvrir effectivement de nouveaux talents, et surtout de se dire que dans 10 ans ou dans 15 ans, on va avoir des grandes pointures, comme on dit nous, de la musique classique, et c'est vrai qu'aujourd'hui on en a, et ils seront à Cambrai pour le 25e anniversaire. Donc au niveau de la qualité des musiciens qui seront sur les plateaux, j'irai tous les soirs à Cambrai, ce sera quand même assez remarquable. Et je pense qu'il y a peu de festivals qui peuvent avoir cette qualité et ce nombre d'artistes de grands talents. Puisque ce sont des artistes qui viennent pas uniquement de France, qui viennent vraiment d'un peu partout. Alors, je rappelle que Juventus, c'est européen. Donc, effectivement, il y a 26 nationalités représentées dans Juventus, avec aujourd'hui plus de 100 lauréats. Et vous aurez, bien sûr, comme les années précédentes, des Français, oui, bien sûr, mais aussi des Belges, Allemands, Russes. Vous aurez également Finlandais, Suédois. Enfin, bon, je pense qu'il doit y avoir une douzaine de pays qui seront représentés lors du festival de cette année. Très bien, bien, merci beaucoup. Donc, on rappelle que le Festival Juventus aura lieu cette année du 2 au 14 juillet. Pour plus d'informations sur www.musique-juventus.fr. Voilà pour ces explications. Et puis tout de suite, on passe au Flash Info. Pour ce Flash Info, dans le cadre de la fête de la musique, on commence avec l'ensemble instrumental avant du Conservatoire de Cambrai sous la direction d'Éric Brice, le samedi 20 juin à 18h au Théâtre de Cambrai. Enfin, partout en ville, les musiciens amateurs ou professionnels vous régaleront de concerts et prestations musicales dans la rue, bien sûr, comme dans les cafés et brasseries du centre-ville.
À suivre, au musée de Cambrai, une grande exposition, paysage rêvé de fin de siècle, une découverte magique du paysage saisie dans un contexte de changement de siècle à la fin des 19e et 20e siècles, une invitation au rêve et au voyage au musée jusqu'au 18 octobre prochain. Autre exposition dans les caves voûtées de l'Office de tourisme de Cambrai, collection lapidaire de Claire Dodin. Rendez-vous rue de Noyon, Maison Espagnole, jusqu'au 23 juin, entrée libre. On termine avec une journée portes ouvertes à Eclipse, le samedi 20 juin, à partir de 10h. Venez découvrir ce que ce centre de loisirs peut vous offrir. Du 2 au 14 juillet, vivez à Cambrai la 25e édition du Festival Juventus. Et pour ses 25 ans, le festival vous réserve de nombreuses surprises. Durant 12 jours, venez rencontrer une pléiade de solistes européens et partager avec eux de grands moments musicaux. Le Festival Juventus vous donne rendez-vous au Théâtre de Cambrai, mais également au Musée des Beaux-Arts, à l'Abbaye de Vaucelles et au Musée Matisse du Cateau Cambrésis. Juventus a 25 ans et ça se fête du 2 au 14 juillet à Cambrai. Renseignements et informations, www.musique-juventus.fr. Au cinéma, le Palace, les sorties de la semaine. Comme promis, je suis donc avec Thibaut Vaxin en tant que chef de chœur du conservatoire en pleine répétition d'ailleurs avec les enfants derrière, à la manutention pour préparer un concert qui aura lieu ce soir d'ailleurs, vendredi donc 19. Et en quoi consiste-t-il ? Alors ce concert sera en deux parties, avec une première partie par le chœur mixte, donc le chœur adulte du conservatoire, qui interprétera après le Carmina Burana le psaume 42 de Mendelssohn, donc compositeur romantique, accompagné de notre accompagnatrice préférée Agatha Maïka. Et en seconde partie, accompagné de mes collègues de l'orchestre à cordes, Émilie, ainsi que Monsieur Philippe Murgier pour le théâtre, nous allons interpréter avec une centaine d'enfants Atchafalaya, un opéra d'enfants d'Isabelle Aboulker. Et donc ce spectacle aura lieu ici à la manutention et à quelle heure ? Non, il aura lieu au théâtre de Cambrai à 19h30 ce soir. Parfait, et il y a une voie d'entrée, non ? C'est gratuit ? Non, c'est gratuit, c'est dans le cadre de la fête de la musique et aussi en concert de clôture qui clôturera aussi la saison musicale du conservatoire. Eh bien, merci Thibaut et puis bon concert à tous. Voilà. Bonjour Aymeric. Bonjour. Alors Aymeric Silver, tu es responsable du département des musiques actuelles. Oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire que tu enseignes aussi la musique ici à des élèves. Alors combien d'élèves y a-t-il en ce moment ? Alors pour le département complet des musiques actuelles du conservatoire, on est à peu près 120, on est entre 120 et 130 élèves à peu près. Voilà. Et donc quels instruments est-ce que l'on trouve ? Alors on trouve la guitare électrique bien sûr. Donc la guitare en fait au sens large, c'est juste que le répertoire n'est que musique actuelle, donc pas classique. Donc ça peut être guitare acoustique aussi. On a la basse, guitare basse, on a la batterie, on a le clavier, le chant. Voilà. Donc tout ce qui fait du bruit, d'où le nom musique actuelle et amplifié. Amplifié surtout, oui. Alors vous avez fait quelque chose encore d'original cette année dans les rues de Cambrai, à côté du palace. Alors de quoi est-ce qu'il s'agissait ? De faire jouer les élèves dans la rue ? Alors on appelle ça le printemps des musiques actuelles, ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça, ça a été proposé par Jean-Pierre Viard et puis du coup avec la mairie de Cambrai. En fait pendant les samedis du mois de mai, les élèves peuvent se produire sur une scène qui se trouve effectivement à côté du palace, sur la petite place là, au moment du marché en fait. Et ça permet d'avoir pas mal de monde et tous les élèves peuvent se produire, donc en groupe, il y a aussi bien de l'acoustique, du rock, du reggae, etc. Donc c'est plutôt pas mal, ouais.
Donc vous allez remettre ça en quelque sorte à l'occasion de la fête de la musique. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors pour la fête de la musique, c'est un peu différent cette année. Cette année, les élèves vont justement un peu se dispatcher partout, mais dans leur propre formation ou alors avec les groupes qui existent ici. Et ils vont jouer un petit peu partout en ville. Voilà. Mais là, par contre, ce n'est pas encadré par nous. Mais disons que nous, on est content un petit peu justement d'être initiateur, on va dire ça comme ça, pour lancer un petit peu les groupes dans le coin. Voilà. Et alors toujours dans l'actualité, mais cette fois plus au niveau des infrastructures, il y a un nouveau bâtiment qui vous attend bientôt rue du Pan. Alors qu'en est-il et surtout comment va être ce bâtiment et les avantages pour vous ? Alors ce bâtiment effectivement va bientôt arriver, les travaux ont vraiment commencé d'ici quelques semaines. Le gros avantage c'est qu'on va avoir vraiment une structure adaptée aux musiques actuelles, c'est-à-dire qu'aussi bien des salles de cours adaptées et puis on aura un studio d'enregistrement qui servira aussi pour la musique classique, hein, on va pas seulement se limiter à nous, hein, le but c'est d'être transversaux au maximum. Et voilà, il y aura donc studio d'enregistrement, studio de répétition et on aura même une salle polyvalente qui nous permettra de faire des prestations, des concerts, etc. Un petit peu varié aussi, donc ça pourra vraiment être pas mal. Ouais. Donc moderne et confortable également. Et puis enfin, pour terminer, là c'est plus te concernant, tu seras en tête d'affiche des scènes mitoyennes à partir de la saison prochaine. Oui, tout à fait, j'ai l'honneur de faire le théâtre de Cambrai en fait le 2 octobre, voilà, au théâtre, et on est très contents. Et en première partie, il y a Gaëlle Buswell, qui est une super artiste aussi, qui vient de Paris et qui me fait l'honneur de faire la première partie, donc ça va être très sympa aussi, oui. Eh bien, très bien, en tout cas, on a hâte de t'écouter et de te voir sur scène. Eh bien, merci pour ces explications concernant les musiques actuelles et amplifiées. Et puis, on se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+. À bientôt.